Kenneth Diouri, je suis la responsable des admissions au niveau d'HEM. Donc, je suis étudiante doctorante en cinquième année et j'enseigne aussi en parallèle la matière de management de la force de vente. Voilà, c'est une petite présentation pour moi et je passe la parole à Madame Bouzouba pour se présenter. Madame Bouzouba, la parole est à vous pour vous présenter. Oui, merci Soukaina. Alors, moi c'est Myriam Bouzouba, je suis docteur en finance, je suis enseignante à HEM de matière financière, plus particulièrement la comptabilité générale. Je suis à HEM depuis 1996, donc ça fait bientôt 24 ans. Et j'occupe aujourd'hui le poste de directrice des programmes académiques. Et je suis ravie d'être là pour donner un souffle à ce certificat avec vous et vous donner toute l'information dont vous avez besoin. Je suis aussi agréablement surpris de voir des lauréats d'HEM qui sont là avec nous, que je salue, Anissi aussi. Je salue aussi nos étudiants finissant cette année et, ou ceux qui ont fini l'année dernière et qui sont là avec nous, Tmed Zakri et Mohamed, c'est Mohamed Ben Yakhlef, merhaba, et avec plaisir. Merci beaucoup. On passe peut-être la parole à Amira aussi pour se présenter. Bonjour tout le monde. Alors oui, ça fait vraiment plaisir de voir des lauréats de HEM qui nous rejoignent. Ben, je fais partie moi aussi de la famille HEM. Je suis Amira Benyadine. J'enseigne le marketing digital et le marketing de manière générale à HEM depuis, je dirais pas 1996, je pas d'aveu par rapport à depuis combien de temps, depuis un certain nombre d'années. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors juste pour donner un bref aperçu, par rapport à mon parcours et par rapport à mon cursus. Je suis une lauréate de HEM, c'est un titre que je porte avec une très très grande fierté. Après HEM, j'ai choisi en fait, on a fait la démarche d'aller nous installer au Canada et de vivre là-bas. Donc j'ai eu l'opportunité de faire mon MBA à HEC Montréal, puis de travailler là-bas essentiellement dans le domaine des études de marché et de la communication digitale qui était naissante. En rentrant au Maroc, j'ai rejoint d'autres multinationales comme L'Oréal, comme Dell, et puis l'aventure de l'entrepreneuriat et en même temps l'académique avec ce très très beau parcours, ce bout de chemin fait avec HEM et auprès des étudiants et des équipes de HEM. Très bien, ben ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai bossé à Dell, donc, là, ça fait un point commun aussi. Alors, en fait, on va débuter et bien évidemment, le certificat sur lequel on va vous présenter aujourd'hui, c'est le certificat marketing digital. Donc, on va commencer au tout début avec les objectifs et finalités du certificat et puis on aura une idée sur le corps professoral et les intervenants par rapport certificat, le format global du certificat et on terminera avec le contenu et une brève présentation par rapport au processus d'admission. Donc la parole est à vous, Madame Bouzouba, donc pour nous présenter pourquoi HEM donc a décidé à un certain moment de lancer le certificat marketing digital plus spécifiquement et en général bien évidemment tous les certificats professionnels qu'on présente actuellement. La parole est à vous. Merci Soukaina. Alors oui, effectivement, depuis sa création, HEM propose des formations essentielles, je dirais une formation initiale et pour des jeunes bacheliers, pour des formations. Au début, c'était sur 4 ans et aujourd'hui, c'est sur 5 ans, donc depuis quelques années déjà. Mais à côté, elle propose aussi des formations pour les professionnels
Et là aussi, on a des formations diplômantes sous forme de MBA ou de master finance marketing. Mais depuis l'année dernière, on a trouvé cette formule qui est en vogue aujourd'hui, qui est la formule des certificats. On trouve que c'est une formule intéressante qui peut vraiment en même temps permettre aux participants de profiter d'un certain nombre de données nouvelles par rapport à son domaine d'activité et en même temps profiter de sa souplesse, que ce soit par rapport à l'organisation, du moment que c'est organisé les week-ends et un week-end par mois. Par conséquent, on peut se libérer un week-end par mois sur une période de 5 à 6 mois. Donc, ce n'est pas très contraignant. La souplesse, elle est aussi liée au financement, au coût, parce que c'est beaucoup plus faible qu'un MBA ou qu'un master. Donc, c'est une formule qui peut être prise en charge facilement par la CNSS à travers la formule de couverture ou de remboursement des formations, bien entendu, si l'entreprise se prenne justement à l'avance, elle intègre ça au niveau de son plan de formation. Donc, il y a des conditions qui sont, bien entendu, précisées au niveau sur le plan national et il faut que l'entreprise s'y conforme. Mais c'est possible parce que, vu le coût, on peut être tenté d'accepter ça, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit par rapport à la CNSS. Voilà. C'est l'OFPBT qui est en bourse, je pense, par rapport à la formation. Oui. Aujourd'hui, nous avons adopté cette formule-là et elle va nous permettre donc de faire profiter plus de participants par rapport à notre expertise que nous avons développée tout au long de nos 32 années d'existence et au niveau des masters que nous proposons et notamment le master marketing. Maintenant, on passe à la deuxième question, Soukaina. Bien sûr. Donc, si vous pouvez peut-être donner une idée à nos participants par rapport aux finalités de ce certificat, donc la valeur ajoutée par rapport à leur profil, leur cursus professionnel. La parole est à vous toujours, Madame Bouzoubert. Très bien. Alors, donc, effectivement, par rapport au certificat, qu'est-ce que ça peut apporter aux participants? Ça peut apporter beaucoup de choses. Donc, par exemple, si la personne elle est dans le département marketing, ça serait l'occasion pour découvrir tous les outils techniques qui sont proposés aujourd'hui à travers le marketing digital, c'est-à-dire comment la digitalisation, comment les nouvelles technologies de l'information, comment l'aspect réseau, etc., on peut profiter pour pouvoir toucher d'une manière encore plus proche le client et de pouvoir l'influencer positivement, bien entendu, et de pouvoir calculer et évaluer les retombées de toute stratégie marketing sur le client et sur son niveau de satisfaction. Donc, beaucoup de possibilités sont offertes à travers le marketing digital et que je pense aujourd'hui, toutes les entreprises, quelle que soit l'entreprise, petite ou grande, elle est amenée à utiliser au moins quelques aspects de ces outils et de ces techniques. Et nous l'avons constaté à travers ce confinement, nous pouvons dire qu'on arrive à survivre et à vivre et à continuer, je dirais, notre confinement de manière plus ou moins acceptable grâce à ces nouvelles technologies de l'information parce qu'ils nous permettent de rester en contact avec tout le monde et nous avons constaté que beaucoup de petites entreprises, petits commerces se sont reconvertis très rapidement en e-commerce et ils commencent à nous bombarder, nous envahir de messages pour pouvoir acheter, vendre, etc. Donc voilà,
C'est un peu dans ce sens que ce certificat est proposé. Il permettra aux candidats de mieux connaître le domaine de manière encore plus, je dirais, professionnelle, de mieux approcher tous les outils et tous les concepts et bien sûr s'ouvrir, connaître les choses, être au courant des nouveautés et avoir et développer des compétences pour pouvoir mieux les prévaloir et impacter davantage et l'entreprise et le client et ensemble avoir bien sûr des retombées sur la performance de l'entreprise. Voilà, donc je vais, je pense, passer la parole à Amira qui va préciser davantage les objectifs de ce certificat. Alors, merci Mary, merci Madame Bouzouba pour cette présentation très exhaustive. Je crois que tu as fait le tour des objectifs et des enjeux du certificat en marketing digital. Moi, je voudrais rebondir sur un point qui, en fait, m'a fait marquer lors de la première présentation, c'est que beaucoup de participants se posaient la question quel est le coût de la formation. Alors, je voudrais commencer l'explication et la présentation des enjeux par préciser un point très important. Je crois qu'il ne faut pas qu'on parle de coût, mais d'investissement. Parce que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un investissement essentiellement dans l'avancement de votre carrière. Certains d'entre vous maintenant, soit par une ambition, soit par un projet professionnel défini, soit par la force des événements auxquels on fait face maintenant, auront l'opportunité ou en tout cas prendront la décision de changer de carrière, d'évoluer dans leur carrière ou de prendre un autre tournant. Je crois que c'est surtout à ça que se propose de répondre HM aujourd'hui à travers ces certificats, et essentiellement le certificat en marketing digital. Donc, c'est un investissement pour booster, pour faire évoluer votre carrière et pour vous doter de compétences spécifiques qui vont être très, très pratiques, autant qu'elles sont complètes en termes de maîtrise de fondements théoriques. Donc, grosso modo, quelle est la valeur ajoutée et à quoi vous allez vous attendre en suivant cette formation et qu'est-ce que vous aurez comme valeur ajoutée à la fin? Ben, c'est votre capacité à construire, à élaborer, à mettre en place et à gérer une campagne digitale et une stratégie de marketing digital de A à Z pour une marque, que ça soit dans un contexte de PME ou dans le contexte de multinationale. Et ce sont des compétences qui vont être indispensables. Mariam, tu l'as précisé, dans le contexte actuel, c'est essentiellement grâce au digital que beaucoup d'entreprises, notamment les PME, continuent à saisir les opportunités qui se présentent au niveau du marché. Tu as utilisé le terme « nous bombarder », nous envahir, ça ne devrait pas être comme ça. Au contraire, elle devrait proposer de la valeur de manière à ce qu'on soit dans une relation et pas simplement dans une transaction. Donc, le premier objectif, le premier enjeu, c'est élaborer une stratégie digitale qui va être efficace et qui va être efficiente avec l'ensemble des fondements et des fondements théoriques, pratiques et des outils. Maîtriser les outils et techniques du digital, là, c'est un point qui revient très souvent comme ambition et comme attente de la part des participants. J'anime le cours de marketing digital auprès des étudiants de Master 1 et de Master 2 dans le parcours Grande École de HEM, et tous ont cette soif d'apprendre, de maîtriser les outils qui est légitime. Donc, j'imagine que vous, qui êtes maintenant professionnel ou lauréat finissant, vous avez aussi cette ambition de maîtriser les outils et le marketing digital. Ce certificat, justement, est l'opportunité pour faire cela parce qu'on aura avec nous, enfin, vous aurez avec vous des formateurs et des participants de qualité qui viennent du domaine professionnel essentiellement et qui vont non seulement introduire et vous familiariser avec des techniques comme Search Engine, comme l'optimisation du taux de conversion, etc. Et comme Real-Time Bidding, on va en parler par la suite plus en détail, mais vous aurez l'occasion de les mettre en pratique. Et un point qui est très important, qui est une promesse digitale justement, et je crois qu'on se pose tous cette question en tant que manager ou en tant que gestionnaire de marque ou de portefeuille de marque, c'est comment mesurer l'efficacité de nos actions. Il y avait un célèbre publicitaire qui disait dans le temps que la moitié de mon budget publicitaire est jeté à la poubelle. Bien sûr, il le disait de manière plus poétique que cela. Le problème, c'est que je ne sais pas. C'est laquelle de moitié finalement est wasted, est jetée. Avec le digital, on est capable de mesurer avec
une quasi exactitude le retour sur investissement. Donc, une des promesses et un des objectifs majeurs de ce certificat-là, c'est de faire en sorte que vous, manager, que vous, stratège, vous puissiez mesurer l'efficacité de l'investissement publicitaire, de l'investissement communication et de tout ce que vous allez faire au niveau du digital. Donc, ça, c'est un point, une attente très importante. Et pour conclure, je dirais que la plus grande promesse du digital en ce moment et de cette formation et de ce certificat en particulier, c'est avec une grande fierté que je le dis, ce qui va nous différencier à HEM, c'est la capacité et l'objectif important d'ancrer notre certificat, notre formation dans la réalité marocaine et dans la réalité africaine plus globalement. Les outils du digital sont bien sûr globalisés et globaux, ça, il ne faut pas qu'on ait de doute par rapport à ça. C'est des outils qui sont, pratiqués qui sont à la disposition de toutes les entreprises dans tous les pays du monde, dans tous les contextes, mais qui sont pratiqués de manière différente. Premièrement, selon la culture du pays. Deuxièmement, selon le taux de maturité du consommateur. Et troisièmement, bien sûr, selon l'infrastructure. Donc, la valeur ajoutée de ce certificat, c'est d'ancrer la formation, l'échange, le partage et la montée en compétences au niveau de la réalité africaine, au niveau de la réalité marocaine et aussi au niveau de la réalité EMEA de manière générale. Ça veut dire que par la suite, on sera en mesure, vous serez en mesure de pratiquer les enseignements et d'avoir une carrière au niveau global et au niveau africain, plus spécifiquement au niveau EMEA plus généralement. Merci, Soukaina. Merci à vous. Donc, on passe peut-être à l'étape suivante qui est de parler des animateurs du certificat. Donc, mais avant de donner la parole à Madame Bouzouba, je souhaite tout simplement vous dire que vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions au niveau du chat. Donc, je vais noter toutes vos questions et on va réserver bien évidemment une séance de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas. Et la parole est à vous, Madame Bouzouba. Merci. Alors, donc, concernant la qualité des animateurs par rapport à ce certificat, comme toutes les formations proposées par HEM, nous tenons à avoir des animateurs de grande qualité. Donc, ce sont en général des enseignants universitaires, des praticiens, des professionnels qui sont déjà dans les départements marketing et qui sont en plus, pour ce certificat en particulier, des experts et consultants au niveau du marketing digital ou dans le web de manière générale. Alors, je cite les personnes qui sont prévues ou les animateurs prévus. Je commence par notre collègue Amira. Donc, elle s'est présentée, mais je tiens à la présenter à ma manière. Donc, Amira est lauréate d'HEM. J'ai une relation très particulière avec elle parce qu'elle fait partie de la première promotion que j'ai eue en tant qu'enseignante. Donc, on a eu l'occasion d'être ensemble, donc, moi enseignante et elle étudiante, au niveau d'un cours très particulier à l'époque, parce que c'était vraiment le début pour moi. Et elle m'a beaucoup marquée par son dynamisme et sa fougue. Et depuis l'époque, de là, ça n'a pas changé. C'est ce qui fait sa caractéristique. Et cette fougue et ce dynamisme, elle le traduit par une implication exemplaire au niveau de ses cours et avec ses étudiants. Et du coup, alhamdoulilah, ça donne une très grande satisfaction. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle est partie au Canada. Et à cette époque-là, le marketing digital était à peine à ses débuts. Et elle a développé une certaine maîtrise dans ce sens. Et quand elle est revenue, on l'a reçue à bras ouverts pour intégrer le corps professoral et, bien entendu, enrichir les domaines du marketing et du marketing digital en particulier. Donc, elle va assurer l'animation du premier module et donc elle aura le plaisir, Inch'Allah, et vous aurez le plaisir avec elle d'avoir une idée sur la totalité des, un aperçu sur la globalité de la thématique pour après approfondir certaines thématiques à travers les autres modules.
Alors, Mariam, nous avons également... Mariam, excuse-moi, je vais juste t'interrompre très brièvement. Je suis vraiment émue par la belle présentation. Je ne sais pas si je m'élève à tout ce que tu as dit, mais en tout cas, je retiens la passion. Et c'est vrai que quand je suis partie au Canada, c'était les débuts, les balbutiements du marketing digital. Mais ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister auprès de tous nos participants aujourd'hui. C'est qu'après HEM et après HEC Montréal, il n'y a pas un moment où je me suis dit, où on devrait se dire, ça y est, on sait tout. J'insiste sur l'importance de la formation en continu, essentiellement dans un contexte comme le marketing digital. Continuer à se former, continuer à s'auto-former, continuer à suivre des modules, des séminaires, à s'inscrire dans ce genre de certificat, c'est indispensable pour préparer et pour continuer à avancer dans sa carrière aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui est important. Continuer à se former. Bien. Alors, donc nous avons aussi avec nous pour l'animation, je pense, du dernier module, le module sur la stratégie et les retombées, comment évaluer les retombées, Monsieur Nabil Barba, Monsieur Wahid Rohli. Monsieur Wahid Rohli, le dernier, donc il est digital marketing consultant, donc consultant marketing digital, et il est à la tête ou parmi les responsables de Connectout. J'ai du mal à lire parce que il y a quelque chose qui s'affiche et qui est bon. Et il a plusieurs certificats concernant justement le digital et le domaine du web. Et c'est quelqu'un de très dynamique, de très, très intéressant, qui va apporter certainement une grande valeur ajoutée à ce certificat. Nous avons également M. Nabil Barbarka, qui est directeur associé à Digital Gin. C'est une agence spécialisée dans le marketing digital. Tahar Alami. Tahar Alami, c'est aussi un lauréat HEM qui a terminé ses études, ça fait quelques années déjà. Et il est parti à l'étranger, il est parti, je pense, en France. Il a fait un troisième cycle par rapport à tout ce qui est technologie de l'information, parce qu'à l'époque, on avait une filière qui était justement liée aux technologies de l'information. Donc, il a eu son diplôme par rapport à cette filière-là. Il est parti développer encore plus de compétences à travers son troisième cycle. Il a eu quelques années d'expérience dans certaines entreprises. Et après, il est revenu au Maroc. Il a créé une agence spécialisée dans le web. Et aujourd'hui, son agence fonctionne très bien. Et il a créé une antenne à Dubaï pour toucher un petit peu le monde arabe et tous les pays concernant justement par rapport à ce domaine-là. Tellement il est intéressant et important un peu partout dans le monde. Et je peux dire que par rapport à ceux qui s'intéressent au web, et donc c'est une référence, il anime plusieurs séminaires, plusieurs conférences par rapport au domaine du web et du marketing digital. Voilà, donc pour ne citer que quelques-uns des animateurs de ces différents modules. Merci beaucoup, Madame Bouzouba. Donc, la parole est toujours à vous, mais par rapport à ces trois questions, donc à qui s'adresse ce certificat, donc sa durée, et puis ça sera assuré au niveau de quel campus. Donc, la parole est toujours à vous. Très bien. Alors, il s'adresse donc aux personnes professionnelles qui sont dans le département marketing et qui souhaitent approfondir davantage leurs connaissances par rapport et développer des compétences par rapport au digital pour mieux accompagner la stratégie marketing de l'entreprise par rapport à cet aspect-là. Il s'adresse à des dirigeants d'entreprise. Ça peut être une entreprise en e-commerce qui a besoin, bien sûr, de tous les outils du digital et du marketing digital pour développer sa performance et la rendre plus impactante. Ça peut être aussi des étudiants finissant en marketing et qui souhaitent, bien entendu, avoir un certificat, avoir un aspect supplémentaire, une spécification supplémentaire pour mieux se vendre
auprès des recruteurs. Et donc, oui, pourquoi pas, ils sont les bienvenus aussi. Voilà, donc pour la durée de la formation, elle va durer 6 mois. Donc, 6 mois à raison de un week-end par mois. Et donc, dès qu'on démarre, donc ça sera le week-end. Le week-end, il dure un week-end par mois. Maintenant, où on peut avoir cette formation? Ben, on peut l'avoir dans tous les campus HEM, pourvu qu'il y a une quinzaine de participants qui confirment leur souhait à intégrer ce certificat. Ça peut être à Casa, à Rabat, à Fès, Tanger ou Marrakech. Excellent. Merci beaucoup. Et là, peut-être on va se poser la question, donc c'est quoi le contenu du certificat et comment il sera organisé? Oui, effectivement. Donc, nous proposons la formation, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 6 mois, mais ça comprend 5 modules. Donc, chaque module, il couvre un volume horaire de 14 heures. Ça fait 70 heures au total, plus un projet pour lequel il faut qu'il y ait un encadrement. Donc, c'est des heures en sus par rapport à l'encadrement de ce projet. Je vais en parler tout à l'heure lorsque je vais citer les éléments d'évaluation concernant ce certificat. Donc, j'en parlerai un peu plus spécifiquement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la formation aura lieu les week-ends, samedi et dimanche. Et pour samedi, ça serait 7 heures, c'est-à-dire donc de 8 heures à midi, et ensuite on reprend à 14 heures jusqu'à 17 heures, donc 7 heures pour le samedi, et idem pour le dimanche. Et ça serait un week-end par mois, et à l'avance, on va vous avertir bien entendu du planning. Et alors, vous pouvez bien entendu réserver les week-ends en question et comme ça, vous avez une visibilité par rapport à la totalité de la formation en termes d'organisation. D'accord? Pour l'atelier et l'encadrement de projet, eh ben, il se peut qu'on démarre physiquement, mais par la suite, le reste de l'encadrement va se faire en virtuel. Et maintenant, on a tous les outils pour pouvoir assurer bien entendu ce suivi-là de votre projet en virtuel. Voilà donc par rapport à cet aspect. Alors, je pense que maintenant, on va passer au contenu, mais cette fois-ci de manière plus précise, c'est-à-dire chaque module, quel est son objectif et quels sont les axes qui seront développés. Et là, ce sera Amira qui va développer tout ça. Donc, la parole est à toi, Amira. Donc, si tu peux préciser par rapport au contenu des différents modules. Donc, juste pour rappel, on a 5 modules. Donc, on donnera peut-être 5 minutes par module. Je vais essayer de respecter le timing. Alors oui, comme expliqué par Malim Moussekaina, en fait, le programme s'articule autour de 5 principaux modules. Le premier module, qui est un module d'introduction, mais en fait, par introduction, on est déjà à fond dans le marketing digital parce qu'on n'oublie pas qu'on a en face de nous un public, des participants qui sont des professionnels du marketing ou qui ont déjà suivi une formation en marketing. Donc, rien de général ou de global par rapport au marketing. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le digital en particulier. Donc, l'objectif de ce premier module d'introduction, que j'aurai le plaisir d'animer auprès de certains d'entre vous, de vous tous idéalement, ça va être essentiellement de cerner quel est le périmètre du marketing digital aujourd'hui. On entend beaucoup de termes. Il y a une profusion de terminologie et de concepts autour du digital. Ben, quel va être le périmètre du marketing digital? Quels sont les objectifs? Quels sont les enjeux du marketing digital? On va véritablement mettre les jalons de cette discipline dans un contexte global et dans un contexte marocain. Donc, au-delà des définitions de ce que c'est le marketing digital et des concepts clés, on va
accordé beaucoup d'importance au contexte actuel. Évidemment, la situation qui se pose à nous avec les changements sur le plan sociétal, les changements sur le plan économique avec tout ce qui se passe actuellement, nous oblige à accorder une importance particulière à la communication de crise dans notre stratégie de marketing digital et dans nos modules de formation essentiellement, et à accorder une importance particulière à la relation. À la relation et pas simplement à la transaction ou à la prospection. Donc, parmi les enjeux les plus importants et sur lesquels on va mettre davantage l'emphase, c'est comment utiliser le digital pour opérer une transition du marketing classique vers le marketing digital, comment s'inscrire dans la relation et pas simplement dans la transaction, et aussi comment bénéficier des leviers du digital pour construire des marques fortes aujourd'hui. Et quand on parle de construire des marques fortes, vous le savez certainement, ce n'est pas juste les multinationales, j'incite, c'est aussi les PME. Donc, ceux d'entre vous qui sont des entrepreneurs, qui ont des carrières dans des PME ou dans d'autres structures de ce type, ce certificat s'adresse à vous de la même manière qu'il va s'adresser à des personnes qui opèrent dans des multinationales. Donc, pour reprendre les points les plus importants, familiarisation avec le contexte et le périmètre du marketing digital, bien sûr, définition des concepts et de la discipline, mais aussi expliquer et ancrer ça dans le contexte actuel et présenter le panorama, le large panorama des solutions qui se proposent aujourd'hui par le digital. Des solutions autant en termes de stratégie marketing que de solutions en termes de stratégie commerciale, que de solutions en termes de stratégie de CRM, que de solutions en termes de stratégie de communication et de publicité. Parce que ce qui se passe quand on voit que c'est un certificat en marketing digital, on peut penser que c'est essentiellement le marketing digital. Moi, j'ai envie d'insister sur le point digital en particulier. Donc, le digital, dans sa traduction sur le plan de la stratégie marketing, la transformation qu'il va opérer à la relation commerciale, aujourd'hui, beaucoup, je fais des missions de consulting, et beaucoup d'entreprises se posent la question, comment est-ce qu'on peut continuer à exercer le métier de commercial aujourd'hui, même si le confinement ne se prolonge pas dans sa version actuelle, mais à quoi ça va ressembler, quelles sont les disruptions que le digital va apporter au métier du commercial, à la stratégie commerciale. Et l'objectif de ce certificat-là, c'est justement d'apporter des réponses, des clés de réponse à cette situation-là. Au lieu d'être on subit les événements, on va être proactif. Et au contraire, on va utiliser le digital comme levier pour capitaliser sur les opportunités qui se présentent à nous. Donc, point très important, impact ou transformation sur le plan marketing, sur le plan communication, sur le plan commercial et sur le plan CRM. Sans oublier, bien sûr, l'importance majeure que le digital va jouer au niveau du big data et le rôle que ça aura pour renforcer, pour nourrir et pour améliorer l'ensemble de nos stratégies, notamment la stratégie marketing, avec une très, très bonne connaissance du comportement du consommateur, de ses besoins et de comment pouvoir bâtir cette relation et pas simplement le rejoindre, être dans du court-termiste avec la génération de trafic seulement. Ça, c'est pour le premier module. Sokaina, tu peux passer au deuxième ? Oui. Alors, le deuxième module, et ça, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas forcément de site web se retrouvent dans la hâte actuellement à vouloir construire, élaborer et développer leur site web, c'est que finalement, le site web, malgré le développement des réseaux sociaux, est le hub, c'est le point central, c'est le pivot de la stratégie digitale, d'où la nécessité et l'importance d'accorder un module à part entière à la construction, à l'élaboration, à la refonte et aussi à quelque chose de très important qui est l'optimisation du site web. Donc, beaucoup de managers pensent qu'un site web est censé simplement être beau, attractif visuellement. Mais grâce à votre participation à ce certificat, vous allez apprendre et savoir qu'un site web, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres considérations en termes techniques, en termes ergonomiques, en termes, bien sûr, visuels, en termes esthétiques, en termes de facilité de navigation. Mais il y aura un point très, très important à accorder à quelque chose
qui est indispensable actuellement, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur ou user experience, on y réfère avec ce fameux UX qu'on vous le voyez, ben, ça veut dire qu'on met véritablement le consommateur au cœur de la stratégie d'élaboration et de création du site web. Au-delà des outils, des plateformes qui nous simplifient la chose sur le plan technique, ce qui compte véritablement pour nous, c'est adopter une démarche de design thinking, qui va être quelque chose avec laquelle certains vont se familiariser, ou bien une discipline que d'autres d'entre vous connaissent, mais qui est très importante et qui est intimement liée au marketing digital et intimement liée à la création du site web. C'est véritablement adopter une démarche d'empathie pour se mettre à la place du consommateur ou à la place des internautes, comment ils réfléchissent, comment ils trouvent l'information, comment ils font une recherche pour accéder à nos services, comment ils vont s'approprier notre site web, comment ils vont naviguer. Donc là, c'est un module qui va être très, très excitant pour ceux qui veulent et très instructif pour ceux qui veulent véritablement orienter leur carrière vers l'élaboration des sites web ou simplement élaborer le site web parce que ce sont des entrepreneurs qui vont lancer leur propre projet, leur propre entreprise. Donc, à côté du design thinking, il y a une discipline qui est très importante, c'est conversion rate optimization. On entend tous parler du search engine, on entend tous parler du SEO, mais ce qui est en train de se développer maintenant, c'est qu'au-delà du SEO qui nous permet simplement SEO, search engine optimization, c'est tout le marketing sur les moteurs de recherche qui nous permet d'être trouvés, qui permet aux consommateurs de nous trouver sur le site web, ça va générer du trafic, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il y a un nouveau challenge qu'on va travailler au niveau du site web, c'est véritablement l'amélioration de la conversion. On veut attirer les consommateurs, on veut attirer les internautes vers notre site web, on veut surtout les garder et on veut améliorer l'optimisation, donc les convertir, pas uniquement en clients, les convertir véritablement en partenaires avec lesquels on aura une relation à long terme. Donc ça, c'est toutes les considérations qui vont être analysées au niveau de ce module qui est des plus intéressants. Troisième module, Soukaina, s'il te plaît. On a parlé depuis le début de l'importance de la relation et vous l'aurez compris, le digital offre des moyens exceptionnels et des moyens extraordinaires pour non seulement attirer, générer le trafic, faire de la prospection, mais développer cette relation qui peut être personnalisée et qui devrait être quasiment one-to-one avec le consommateur aujourd'hui. Donc, ceux qui vont participer à ce certificat vont apprendre avec nous et à côté des professionnels qui vont animer ce module-là, l'importance de la relation client, mais surtout, parce que ça, vous le savez, l'importance de la relation client, c'est tous les outils et tous les leviers que le digital met à la disposition des entreprises pour améliorer la relation client, pour améliorer le contact avec le consommateur. Donc, le ICRM, c'est une pratique et c'est un concept sur lequel on va zoomer au niveau de ce module et qui va prendre une place très, très importante. Et ce module-là va être aussi l'occasion d'aborder la communication personnalisée. Donc, c'est ce qu'on appelle les trois R, right message, right person, right time. Donc, le bon message au bon moment à la bonne personne, et ça fait du sens. Et le bon moment prend toute son importance quand on est dans le digital pour éviter ce que Marie m'avait dit au début, on est bombardé, on est envahi. Ben, pour que le marketing digital et l'offre et la stratégie d'entreprise ne soient pas perçues comme étant envahissantes, mais au contraire comme étant créatrices de valeur. Ça va être aussi, ce module-là, l'opportunité pour parler de ce qu'on appelle digital targeting, digital segmentation, avec tout ce que le digital propose comme technologie pour qu'on puisse véritablement faire une stratégie de ciblage affinée des consommateurs. Beaucoup d'entre vous, professionnels du marketing ou lauréats frais au sein de HM ou dans d'autres écoles, être conscient de l'importance du ciblage et d'un très bon ciblage et d'une très bonne segmentation pour l'efficacité de la stratégie marketing. Mais ce qui va être particulier au niveau de ce module-là, c'est comment utiliser tout ce que les big data nous donnent comme information, comme insight sur le consommateur, sur les internautes, sur nos visiteurs, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour affiner notre ciblage, notre compréhension quasiment du one-to-one de ce consommateur en particulier. Je vois une question qui est très importante. Va-t-on apprendre à créer un business en ligne automatisé à travers des tunnels de vente, par exemple? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la base même. Quand j'ai parlé tout à l'heure du conversion rate optimization, je suis arrivée, c'est le fait Ramadan, excusez-moi. Oui, bien sûr que si on est dans une logique d'optimisation, c'est qu'on est dans une logique de funnel marketing et de funnel digital. Donc, c'est clair que ça fait partie des objectifs pratiques
pratico-pratique de cette formation-là. C'est comment vous outiller, comment vous accompagner dans l'amélioration et le développement de compétences par rapport à comment bâtir un funnel de marketing, un funnel digital, et comment placer le site web justement dans ce funnel-là, de sorte à en faire un hub. Même si ce n'est pas forcément un site de e-commerce et que c'est un site institutionnel, comment en faire justement le hub de votre digital marketing funnel. Et à côté de cela, il y a bien sûr toutes les autres stratégies qu'on retrouve dans ce module 3 en relation avec la relation client. C'est comment gérer la e-réputation et comment utiliser les leviers du marketing d'influence. Ça, c'est un point qui est très, très important au niveau du digital aujourd'hui. On l'a vu, les influenceurs impactent énormément les décisions, les avis, les opinions. Et puis nous-mêmes, ça nous arrive des fois de nous référer à des influenceurs, pas forcément les big names. Ce qu'on va voir, c'est aussi l'importance des micro-influenceurs, des influenceurs de niche. Parce qu'on peut dire avec le digital, c'est quasiment une stratégie par tranchée. Donc, c'est micro-niche par micro-niche et micro-influenceur par micro-influenceur plutôt que du mass ou des grands noms comme ce qu'on faisait avant. Et sans oublier aussi un point qui est très important, c'est comment faire de la publicité en ligne. Donc, c'est online advertising. Et vous avez probablement entendu parler de display, de ad exchange, de real-time bidding. Si pour certains d'entre vous, ces termes semblent étrangers, ne vous inquiétez pas. C'est juste une introduction, un avant-goût du jargon du digital que vous aurez tous l'occasion de maîtriser à 100% grâce à cette formation-là. La publicité en ligne est en relation avec la relation client parce que c'est comme ça qu'on entre en contact avec le client. Mais ça va être aussi pour nous une excellente conclusion de ce module 3 pour introduire aussi le quatrième module qui, lui, va développer en profondeur et beaucoup plus en détail tout ce qui va être lié à la communication, à la publicité en ligne. On peut passer au quatrième module ? Oui, je propose avant de passer repartage encore une fois la présentation. Donc, j'ai remarqué quelques commentaires au niveau du chat, comme quoi on n'arrivait pas à voir les slides. Voilà, exactement. Une seconde. Est-ce que tu veux la faire visionner depuis le module 1 très rapidement, comme ça ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir vont juste. Oui. Oui, Tara, on travaille sur le partage de la présentation tout de suite. Oui, on repart au module 1. Exactement. Alors, comme en fait, on avait déjà beaucoup avancé sur la présentation des modules, et j'ai déjà consacré et monopolisé un bon bout de temps de parole, je voudrais pas revenir forcément sur ça, mais ça serait frustrant que certains d'entre vous n'aient pas pu suivre. Donc, je ne sais pas, Soukaina, est-ce que je résume ou on fait que les visionner les slides? On peut le renvoyer par la suite, la présentation de toute manière, okay. Elle est enregistrée. Cette formation en sa globalité est enregistrée, okay, donc parfait. On va partager avec le lien. Donc, on va directement aller au module 4 et par la suite, ne vous inquiétez pas, l'information vous parviendra, Inch'Allah, par mail, parfait. Bien évidemment. Alors, ça avait brûlé une très, très bonne conclusion, enfin, une très bonne transition du module 3 au module 4. J'étais en train d'expliquer. Non, je vais essayer de reprendre de rien, Hichem, ça nous fait plaisir. Alors, je vais essayer de reprendre là où on était. En fait, le module 3, si vous vous rappelez, est vraiment centré sur la relation client, sur le ICRM, et se conclut par la online advertising, par l'introduction et la familiarisation avec la publicité en ligne, avec tous ces modules et toutes ces stratégies. Et ce qui est une excellente transition vers le module 4 parce que celui-là, il est dédié exclusivement et en profondeur à l'analyse et à la maîtrise des leviers d'action pour favoriser la génération de trafic. Il faut savoir que quand on se lance dans le digital,
une des premières choses et une des premières préoccupations qu'on a, c'est comment réussir à générer du trafic. Ok, on a vu avec le module 2, c'est bien beau de créer un site web qui va être super et axé sur l'optimisation. On a vu avec le module 3 qu'on va mettre en place des outils de CRM et qu'on va développer la relation client. Mais je crois qu'avant, au niveau de Digital Funnel, il y a la partie qui est acquisition du trafic et génération de trafic, d'où l'importance de ce module 4. Alors, très sincèrement, c'est la base dans le sens où on ne peut pas avoir de stratégie digitale et on ne peut pas avoir de relations si on n'a pas mis en place, si on n'a pas développé en premier les leviers d'acquisition de trafic. Et là, bien sûr, on a les plus classiques, même si rien dans le digital n'est classique, mais disons les plus basiques des outils et des leviers du digital qui vont être les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche sont bien sûr la première fenêtre, sinon la première porte par laquelle les consommateurs et les internautes vont atterrir sur notre site web, à côté des réseaux sociaux, bien sûr. Donc, on va se familiariser. Vous allez avoir une connaissance et une maîtrise très approfondie, bien sûr, de tout ce qui est marketing sur le moteur de recherche, avec les acronymes en anglais comme Search Engine Marketing, Search Engine Advertising, Search Engine Optimization. Donc, c'est optimiser le référencement sur, grosso modo, c'est optimiser le référencement du site web magnifique que vous aurez créé en module grâce à vos connaissances en module 2 pour améliorer le référencement du site web. Ça, c'est un des moyens les plus basiques et les plus intéressants et quand même le plus puissant pour améliorer le trafic vers votre site web. Vous allez explorer aussi tout ce qui est en relation avec le email marketing. Le email peut sembler basique, peut sembler même outdated et dépassé pour certains, mais c'est loin d'être le cas. Et au contraire, c'est un des moyens les plus efficaces en ce moment. Bien sûr, quand il y a une stratégie de permission marketing, de marketing de la permission, et quand il y a une stratégie de ciblage affinée où on envoie un email qu'aux membres de la base de données qui sont intéressés par ça. Donc, c'est tout des détails et des facteurs clés de succès que vous allez explorer avec ce module. Donc, il y a le marketing sur le moteur de recherche, donc Search Engine Marketing. Il y a le email marketing qui va être indispensable pour la génération de trafic. Il y a bien sûr toute la publicité online advertising et la publicité au niveau des réseaux sociaux. Et on va s'intéresser aussi à une partie qui est liée à un des 4 P les plus importants du marketing, ça va être la distribution. Donc, place, avec les stratégies multicanales, les stratégies cross-canal, mais j'ai envie de dire, même si ce n'est pas au niveau des slides aujourd'hui, bien sûr, c'est les stratégies omni-channel, c'est les stratégies omni-canal, et c'est ce qui sera créateur de valeur en ce moment pour les entreprises. Le e-merchandising, on va l'explorer ici aussi, et il est lié, rappelez-vous, au module 2 par rapport à la création et à la refonte du site web. Et on va zoomer par la suite de manière approfondie sur les spécificités de la communication digitale, donc quels sont les facteurs clés de succès de la communication digitale, comment sont organisés les réseaux de la communication digitale, comment marchent les networks, advertising network, et par la suite, différentes formes de publicité digitale, comme une forme avec laquelle les non-professionnels du marketing ne sont pas forcément familiarisés, c'est ce qu'on appelle affiliate marketing, c'est le marketing de l'affiliation, c'est une des formes particulières, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut développer des relations fortes avec les influenceurs, comment est-ce qu'on peut utiliser les influenceurs, enfin utiliser bien sûr, comment est-ce qu'on peut développer des partenariats forts avec les influenceurs pour qu'ils puissent être générateurs de trafic de leur plateforme vers notre site web. Donc ça aussi c'est un module qui est indispensable pour ceux qui veulent opérer une transition vers le digital ou ceux qui veulent améliorer leur connaissance au niveau du digital et du marketing digital également. Et le cinquième module, bien sûr, on va conclure avec une des parties qui est une promesse forte du marketing. Pendant mes études, avant l'évolution, avant l'essor du digital, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait se fier uniquement à la créativité, au bon sens, au lieu de véritablement s'assurer d'une très, très bonne capacité à mesurer le retour sur nos investissements. Et c'était très difficile de négocier le funding et les budgets avec la finance si on n'était pas capable de justifier la pertinence de ces investissements-là. Regardez, comme en ce moment pour votre formation, on ne parlera pas de coûts, mais on parlera d'investissement. Ben, ce n'était pas évident de faire comprendre aux financiers que l'investissement en marketing et en communication, ben, ce n'était pas une charge, ce n'était pas un coût, mais c'était un investissement pour créer une marque forte qui, elle, va être génératrice de profit, va être génératrice de marge et va
être génératrice de valeur. Ben, là, avec le digital, je crois que le dilemme est résolu parce qu'on peut mesurer avec une très grande exactitude le retour sur investissement, l'efficacité de notre stratégie, mesurer la satisfaction client, c'est passionnant, c'est des chiffres, mais c'est une partie qui met des étoiles dans les yeux parce qu'on est véritablement dans quelque chose de très puissant où on arrive avec une très grande précision à mesurer l'efficacité de nos campagnes, à mieux améliorer l'efficacité de nos campagnes-là. Et puis, cette logique, ce n'est pas la mesure qui est intéressante à ce niveau-là, c'est vous placer dans une logique d'amélioration continue. C'est ça ce qui est excitant avec ce cinquième module. C'est que vous devez le voir comme l'opportunité pour vous, non pas de maîtriser des KPI, des indicateurs de performance technique et pratico-pratique, mais non, au contraire, vous positionner avec ce cinquième module qui va être la conclusion dans une démarche d'amélioration continue de votre stratégie digitale. Une maîtrise approfondie des indicateurs qui est au service de l'expérimentation dans une logique d'amélioration continue. Donc, au-delà des indicateurs de performance classiques comme le taux de clic, le taux de conversion, le taux de transformation visiteur-client, share of voice, la part de voix et tous ces indicateurs que vous allez maîtriser, c'est vous positionner en tant qu'expert qui va être dans une logique de bêta-testing et d'amélioration continue. Voilà ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et voilà. Quelle stratégie est efficace, voilà quels vont être les facteurs, les succès et les leviers sur lesquels agir. Bref, vous l'aurez compris, si on me donne la parole, je ne vais pas m'arrêter à ce niveau-là, c'est quasiment... c'est un sujet qui me passionne énormément. J'espère que j'aurai le plaisir très sincèrement de partager cette passion, de vous contaminer avec ma passion aussi dans un futur proche. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions. On va essayer de répondre à tout ça, soit ongoing, soit à la fin de la présentation. Et merci pour avoir eu la patience de m'écouter, spécialement pendant votre jeûne. Merci beaucoup, Amira. Ça se voit quand tu expliques aussi que tu es passionnée par rapport au marketing digital. Donc, et aussi en parallèle, tu as généré énormément de questions. Je ne sais pas si on peut répondre surtout à ces questions qui sont liées au contenu à ce stade-là avant de passer aux autres slides. Donc, J'ai pas suivi le fil des questions pendant ma présentation. Donc, c'est laquelle qui revenait souvent, oui, avec plaisir. On a déjà la question sur le content marketing et je sais que aussi beaucoup de personnes qui posent aussi cette question au niveau d'HEM. Donc, est-ce qu'on aura le content marketing au niveau de ce certificat? Donc, si tu peux répondre à cette question peut-être. Donc, ça intéresse énormément de gens. Oui. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ça les intéresse énormément et à juste titre. Je ne sais pas comment j'ai fait toute une présentation de ce certificat sans parler une seule fois de marketing, de contenu, alors que bien sûr, c'est le cœur même, c'est le pilier, c'est l'ingrédient, c'est la recette principale du succès dans le digital. Ça doit être l'effet ramadan, excusez-moi pour ça. D'ailleurs, je dis souvent aux étudiants en commençant, ceux qui sont excités par la partie technique et technologique et IT du digital, que ce n'est pas ça qui fait le succès et la réussite, c'est vraiment le marketing de contenu, c'est le contenu qui va être créateur de liens, qui va être créateur de valeur, qui va faire toute la différence. Et je dis aussi souvent que de toute façon, les marques actuellement sont censées être des médias. Elles sont censées générer du contenu si elles veulent exister dans le digital. Donc oui, le digital, le marketing de contenu a toute sa place dans ce certificat-là. Et il est tellement important qu'il ne représente pas juste un module, mais c'est un contenu qu'on va trouver tout au long des modules. Au niveau de l'introduction et au niveau du marketing, au niveau du premier module que j'animerai auprès de vous, la belle part sera faite au marketing de contenu parce que c'est un des fondements les plus importants du succès dans le digital. Donc ça, c'est clair que ça va être le cœur même de ce premier module. Par la suite, une fois qu'on parle de création de site web, ben c'est le contenu du site web qui va être mis en exergue et pas forcément la partie technique. Quand on parle de relation client, la relation client, elle prend cette belle forme que j'aime et que je trouve très esthétique
pratique dans le digital, c'est du contenu aussi. Quand on parle de communication et quand on parle de publicité en ligne, le marketing de contenu est au cœur. Et on ne va pas se concentrer simplement sur les parties techniques comme real-time bidding et comment faire les enchères en ligne et tout ça, mais il y aura bien sûr la part belle au marketing de contenu. Donc, mea culpa si on ne l'a pas expliqué dans la présentation, mais bien sûr, c'est super important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport à cela. Oui, je pense complètement. Je vois une question d'Atmal Hissouni. Il est souvent difficile de vendre et de créer une confiance sur Internet, surtout lors des ventes de produits, lors de ventes de produits coûteux sur Internet. Ce certificat va-t-il nous permettre de créer de la confiance avec nos prospects? Et la confiance est bien sûr le levier de la relation. Alors, Atman, merci pour cette question. On peut être d'accord tous les deux que la confiance est importante, qu'on soit dans un contexte plus classique ou dans le contexte digital. Mais je comprends pourquoi tu te poses la question par rapport au digital en particulier, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de contact direct avec un humain derrière une plateforme, avec un humain derrière un site web. Oui, quand on parle de relation client, le module 3 est axé exclusivement sur la relation client, la relation a comme pilier la confiance. Aucune relation avec les clients ne peut se maintenir sans la confiance. Donc oui, le digital et ce certificat va mettre l'accent sur comment bâtir une relation de confiance avec les consommateurs. Et je l'avais dit en introduction, je ne sais pas si tu as fait attention à Atman, mais étant donné le contexte actuel, je sais que de mon côté, je vais axer le premier module aussi sur les spécificités du digital dans le contexte actuel. Quels sont les pièges, les écueils, les risques à éviter, comment les éviter, mais aussi quelles sont toutes les opportunités à saisir. Et parmi les opportunités à saisir, justement, c'est comment bâtir des relations de confiance. On va voir le lien entre le contenu, entre l'authenticité du contenu généré par la marque, entre la qualité, la pertinence et finalement, est-ce que c'est genuine? Est-ce que c'est un contenu qui est authentique et on sent que la marque ou le site ou la plateforme ne le crée pas forcément pour juste vendre ses produits, mais pour être dans une relation sincère et authentique avec ses clients-là. Donc, on va voir déjà à travers ce module quel est le lien entre contenu et perception de confiance, et aussi dans tous les autres modules. Et le ICRM va être un levier très, très important au niveau de la relation de confiance avec nos consommateurs. Donc, oui, c'est couvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions que la force de la langue? On a la question sur la force du marketing digital après le confinement. Donc, à un certain moment, oui, on a eu donc énormément d'entreprises qui se sont trouvées avec principalement tous les consommateurs, ils sont présents via le digital plutôt que dehors, donc maintenant qu'on est confiné. Donc, tout le monde a réorienté peut-être le plan marketing vers un plan digital plus renforcé, et ça sera peut-être même le cas même après déconfinement. Donc je pense que la question, c'est peut-être donc à un certain moment on aura plus de stratégies qui vont émerger par rapport au marketing digital, d'autres qui seront renforcées et on va découvrir encore plus, surtout au niveau du marocain, le marketing digital. Oui. Autant que d'autres pays, ils semblent être mieux développés par rapport à ce volet-là. Donc, on va à un certain moment outiller nos participants par rapport à ce certificat. Et aussi, en parallèle, est-ce que ça sera aussi fort, le marketing digital, maintenant en plein confinement, qu'après déconfinement? Alors, le Covid nous a montré que personne n'a la boule magique pour savoir de quoi demain sera fait. Ça c'est clair et on s'est rendu compte de l'incapacité à prévoir l'ensemble des scénarios. Mais il y a quelque chose qui aurait pu être prévisible et qu'on peut toujours prévoir. C'est la disruption opérée par le digital et en même temps que les opportunités que ça offre. Je ne suis pas devin pour dire si cet élan vers le digital va continuer.
je ne sais pas très sincèrement s'il va continuer de la même manière, mais ce que je sais, c'est que même si ça ne continue pas avec la même cadence, ce n'est pas une tendance qui va disparaître. Bien au contraire, c'est une tendance qui ne va faire que se renforcer. J'espère que nos entreprises, j'espère que nos managers, j'espère que vous, vous allez anticiper et ne pas être dans la réactivité par la suite. Vous allez anticiper en vous dotant des outils, des formations, de l'auto-formation par rapport à cela. Très sincèrement, c'est parti pour rester. Est-ce qu'avec la même cadence, je ne le sais pas, mais ça va rester. Je vois des questions très importantes sur la force du marketing digital après le confinement. On l'a vu actuellement, toutes les entreprises qui n'avaient pas forcément de site web sont maintenant, même des petits commerces sont maintenant en train de travailler très très dur pour créer des sites web. C'est ces entreprises-là qui vont voir des opportunités se créer, un marché s'élargir au-delà de leur périmètre géographique parce qu'elles ont créé un site web et qu'elles ont maintenant des demandes un peu partout des différentes villes du royaume, ben c'est clair qu'elles vont continuer dans cette option-là. Est-ce que ça va remplacer le commerce classique tel qu'on le connaît? Non, pas forcément. Je crois que ça va être blended, donc il y aura une combinaison. L'humain a toujours besoin de contact quand ça sera possible. On reprendra ce contact avec plaisir une fois qu'on est sûr par rapport à notre sécurité physique et sanitaire, mais le digital est parti pour rester, pour durer, et c'est une opportunité formidable. Je collabore avec beaucoup de petites structures qui se révèlent tellement innovantes en termes de stratégie digitale et qui prennent un tournant, mais qui ont gagné une quinzaine d'années en termes de transformation digitale. Et c'est parti pour rester. Donc, je ne sais pas si Taha Mohamed, ça répond à votre question par rapport à cela, mais très sincèrement, quand on a pensé ce certificat, on l'avait pensé, bien sûr, avant Covid et avant confinement et avant tout ce qui se passe. Et maintenant, ce confinement, j'ai pas envie de dire que je suis positive dans ce contexte de crise, mais j'y vois une opportunité. J'y vois une opportunité parce que notre programme va être axé essentiellement, va être revu pour intégrer cette dimension-là. Et ça va le faire monter en puissance et ça va améliorer notre capacité, nous, en tant qu'équipe HM, à répondre à vos besoins en formation et à vous mieux vous accompagner dans votre montée en puissance par rapport aux compétences digitales. Alors, il y a d'autres questions. Khadija, la force de la langue dans les call to action digitales. Oui, ça va faire partie des éléments qu'on va explorer dans le marketing de contenu et dans la partie communication. Je crois que l'utilisation du Darija correspond très, très bien à l'ADN de certaines marques, pas forcément à toutes. On va voir dans quel cas c'est plus intéressant plutôt que dans les autres cas, ou peut-être ça fait pas forcément partie de la culture de l'entreprise ou de ses consommateurs. Je trouve que l'utilisation du Darija, c'est pas forcément lié à la confiance, mais quand on utilise la langue maternelle, ça crée automatiquement un lien qui vient du cœur et certaines marques, sans les citer maintenant, ont créé un lien très fort avec leurs consommateurs en utilisant Darija de manière super intéressante. Yassine nous pose la question par rapport au marketing politique. Yassine, c'est une question qui intellectuellement me stimule autant que toi. Apparemment, ça nous fait un point en commun. Ça ne fait pas partie du programme, mais je t'encourage vivement, si ça fait partie de ce qui t'intéresse, à l'explorer. De même que chacun d'entre vous qui aurait l'opportunité de nous accompagner au niveau de ce certificat, d'explorer ces questions particulières au niveau du projet. Madame Bouzouba, elle a dit au début, il y aura un projet à réaliser. Donc moi, je me vois très bien t'accompagner, Yassine, par rapport à l'élaboration de la stratégie de marketing digital dans un contexte politique avec un très grand plaisir. And it's exciting. Hicham nous pose la question, peut-on prévoir la possibilité de suivre cette formation à distance? C'est une question qui est de l'ordre administratif à laquelle je ne peux pas répondre, mais que Madame Bouzouba pourrait se proposer de répondre par la suite, mais je la relève parce qu'elle est importante. Hicham, un autre intérêt, la campagne de boycott a démontré que les firmes ont besoin d'entrer en relation directe et confiante avec les clients, customer-centric instead of product-centric, je suis d'accord avec toi, en raccourcissant les circuits de distribution. Il y a autre chose, le boycott a montré ça, très bonne analyse Hicham, et le Covid a montré quelque chose d'autre, c'est qu'une des tendances fortes et des nouveaux enjeux actuellement, ça va être le local.
Donc, à côté de raccourcir les circuits de distribution pour être customer-centric, c'est raccourcir les circuits de distribution pour faire émerger une offre locale qui va être différente, qui va être créatrice de valeur de manière plus adaptée à la culture locale et qui va être beaucoup plus écologique et beaucoup plus socially responsible. Donc, oui, I agree with you. Et on aura la partie omnichannel and multi-channel, cross-channel pour explorer ces points et en discuter si jamais tu es avec nous. Et je l'espère dans ce certificat. Alors, Taha, l'intérêt du marketing digital dans l'industrie pharmaceutique, qu'en pensez-vous ? C'est un des secteurs d'activité pour lequel le marketing digital est des plus intéressants parce qu'on le sait très bien, dans le marketing pharmaceutique, pour des raisons légales, pour des raisons éthiques, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours légal et même possible de faire de la communication. Donc, le digital occupe une partie très importante dans le secteur pharmaceutique. Et peut-être que si tu es avec nous dans le certificat, je pourrais aborder ce point par secteur. C'est une bonne proposition pour enrichir notre formation. Un clin d'œil par secteur politique et puis pharmaceutique. Donc, Taha, si tu es avec nous pour le certificat, n'hésite pas à revenir vers moi par rapport à ça au moment du module 1. J'aurai le plaisir à explorer ce secteur qui m'intéresse particulièrement. Alors, Khadija, intéressée aussi par le marketing politique, ben oui, pourquoi pas. C'est ce qui est beau avec ce certificat-là, c'est qu'on peut faire du sur-mesure, on peut s'adapter à l'audience qui est avec nous. Donc, moi je suis... C'est Mohamed Ben Ikhlef. Alors, my dear, c'est Mohamed Ben Ikhlef. Salut. Est-ce que le Maroc dispose de tous les moyens pour réussir à surfer sur cette vague digitale ? Je parle d'infrastructure au niveau des serveurs et de connectivité. Mohamed, tu as toujours été exceptionnellement curieux. J'ai beaucoup appris à tes côtés, même si tu as été mon étudiant. Aujourd'hui encore, tu me challenges avec une question et je te dis... Je ne peux pas répondre à cette question-là. Très honnêtement, je n'ai pas le détail par rapport à ce point-là. Peut-être que... Je te propose toi-même maintenant de faire la recherche et puis de revenir vers nous et de répondre à cette question-là. Allez, comme tu m'habitues à le faire. Alors... Je pense qu'il y a d'autres questions aussi qu'on avait eues au tout début, mais qu'on peut laisser peut-être à la fin, histoire de peut-être avancer par rapport à la présentation, mais je les ai toutes notées. Donc, je laisse et je cède la parole à ce niveau-là à Madame Bouzouba, histoire que par la suite, on revient à ces questions encore une fois. Donc, c'est noté. Comme ça, donc, je suis sûre qu'on a des participants qui se disent on a répondu à quelques questions qui sont posées à la fin et au tout début, on les a zappées. Non, on les a notées. C'est juste qu'on va revenir à vos questions à la fin. Donc, la parole est à vous, Madame Bouzouba, à ce stade-là, pour répondre à la question de comment les candidats sont-ils évalués pour obtenir le certificat à un certain moment. Merci, Soukaina. Oui, effectivement, donc, bien entendu, nous ne cherchons pas à créer des contraintes pour les participants, mais notre objectif à travers cette évaluation, c'est d'amener tout un chacun à tirer profit de cette formation et qu'elle soit d'une réelle valeur ajoutée pour lui. Donc, c'est pour ça que nous tenons à ce que les participants assistent aux différents modules. C'est une formule qui est assez souple, qui n'est pas très, très contraignante. Donc, il est possible de faire l'effort pour être là. Parce que, justement, vous avez posé des questions et des questions qui relèvent de plusieurs secteurs d'activité, de plusieurs domaines, de plusieurs données et notions parfois différentes. Et bien, justement, tout ça se développe à travers l'échange à l'intérieur de la salle de cours et à travers l'animation du module. Il y a des choses qui sont prévues et l'animateur va chercher à les développer, mais l'intérêt d'assister à une séance et suivre l'animation de la séance et du module, c'est à travers les questions des uns et des autres que l'échange se développe et qu'on aborde certains aspects de manière un peu plus particulière pour répondre à telle ou telle question. Donc, soit c'est déjà prévu, soit ça va se faire à travers justement la réponse aux questions des participants. Maintenant, si
l'animateur n'a pas le temps de tout aborder, eh ben, il va orienter le participant sur des choses, sur des éléments, sur peut-être des articles de recherche ou des ouvrages par rapport à cet aspect-là en particulier, et il va lui permettre d'approfondir les notions qui l'intéressent davantage. Alors, je reviens à l'évaluation. Donc, lors de la séance, donc, il va y avoir certainement des études de cas, des mises en situation. Donc, vous serez amené à participer en posant des questions, en répondant à des questions, mais aussi en réalisant l'étude de cas ou la situation à laquelle on vous invite de participer. Ça peut se faire en totalité en séance tenante. Comme si le temps n'est pas suffisant, on commence, on développe, on oriente et puis on vous demande de réaliser le travail, soit individuellement ou en petit groupe, et bien entendu le transférer à l'animateur. Et tout ça va donner lieu à une note de la part de chaque animateur d'une manière distincte. Ensuite, il y a une épreuve qui est prévue vers la fin de la formation et qui portera sur la totalité des modules. Donc, on ne va pas vous contraindre à passer pour chaque module une épreuve à part, mais une seule par rapport à tous les modules. De toutes les manières, les modules sont assez intégrés, assez complémentaires entre eux. Et puis, il y a l'aspect dont j'ai parlé tout à l'heure et qui consiste dans le projet. Le projet, c'est-à-dire qu'en parallèle avec votre formation tout au long des 6 mois, et je dirais le fait d'assister aux différents modules, bien entendu, pour chaque module, vous aurez un qui vous sera délivré, soit avant, soit après. Donc, ça dépend de l'animation, ça dépend du module. Et à côté, il y a un projet que vous devez choisir, c'est-à-dire une thématique qui vous intéresse davantage, pour laquelle peut-être même vous avez choisi d'intégrer ce certificat. Et donc, sur cette thématique, vous faites un travail. Et nous, on va valider la thématique et par la suite, on va vous affecter un encadrant qui va vous suivre par rapport à cette thématique-là. Donc, et à la fin, vous devez bien entendu produire un rapport par rapport justement à votre projet et soutenir devant un jury à la fin de la formation. Et donc, bien sûr, ce travail-là va compter pour 50% de la note. Et pour nous, c'est avec ça, avec ce projet, qu'on va répondre aux besoins de tout un chacun. Les thématiques vont être diversifiées. Et bien sûr, plus elles sont d'ordre pratique par rapport à votre besoin, mieux c'est. Et là, l'encadrant qui sera choisi en fonction de sa sensibilité par rapport à la thématique, il sera là pour vous orienter, pour vous corriger, pour vous aider à assurer et à réaliser, aller jusqu'au bout de votre projet. Et là, c'est justement ces aspects-là vont être traités en virtuellement. Donc, cet encadrement va se faire en virtuel. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs, outils qui nous permettent, en tant qu'HEM, d'assurer nos cours virtuellement. En cette période, grâce à notre affiliation au groupe LCI, il a mis à notre disposition plusieurs applications et plusieurs plateformes, et nous arrivons à assurer nos cours d'une manière vraiment identique, comme si nos étudiants sont en face de nous. Et nous pouvons toujours profiter, bien entendu, de cette licence-là que nous avons acquise pour pouvoir orienter l'animation de certains aspects de ces certificats sous forme de séances virtuelles. Pour le moment, ce qui est prévu, c'est la présence physique, parce que nous pensons que c'est beaucoup mieux. Mais certains points peuvent être abordés virtuellement, notamment l'encadrement et la présentation et l'échange par rapport à ces projets-là que vous allez choisir et pour lesquels on va bien entendu vous
vous assister et vous orienter. Alors, il est clair que le démarrage ne peut se faire tout de suite, vous le savez très bien. On est encore en période de confinement. Nous sommes obligés de nous astreindre aux décisions ministérielles. Donc, la décision ministérielle, c'est que on suspend tout cours physique jusqu'au début septembre. Donc, on est bien obligé d'attendre septembre pour pouvoir démarrer. Et bien sûr, en fonction, bien sûr, du nombre de candidats qui va s'inscrire. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, aidez-nous parce que ça nous permettra d'avoir une visibilité. Donc, vous vous inscrivez, vous nous donnez une idée sur le nombre d'inscrits et à partir de là, on va pouvoir bien entendu, déclencher les choses dès que le déconfinement est là et dès qu'on aura la possibilité et l'autorisation, je dirais, pour démarrer les cours physiquement. Alors, maintenant, concernant ça, c'est par rapport à l'évaluation et donc, suivant tous ces aspects-là, bien entendu, si le candidat respecte tout ça, il a ce qu'il faut et donc il n'y a pas de problème, et bien entendu, le certificat lui sera délivré. Alors, on passe à l'autre question, je pense, n'est-ce pas, Soukaina? Je pense qu'il y a des questions dans ce sens. Oui. Alors, donc, quelles sont les conditions d'admission par rapport à ce certificat? Alors, les conditions d'admission, je dirais, le premier aspect, c'est que vous devez déposer votre dossier de candidature qui comprend un certain nombre de papiers. Vous pouvez voir ici, très simple à avoir, donc votre dernier diplôme, une demande de candidature, plus votre demande sera rédigée, orienter motivation, plus ça nous aide à comprendre vos besoins et orienter certains aspects du contenu par rapport à vos besoins. Le nombre de candidats ne dépassera pas 15. Donc, dès qu'on a une quinzaine de personnes, on va démarrer et on ne sera pas au-delà de 15. Ça veut dire que si on a plusieurs groupes, on va avoir peut-être plusieurs groupes au niveau de ce certificat. Et donc, on n'aura pas un groupe de 30, on aura un groupe de 15 pour que l'assistance et la formation soient la plus personnalisée possible. Maintenant, à côté de ce dossier que vous devez déposer, il faut passer un entretien. Et la finalité de cet entretien, c'est surtout de voir deux choses. La première, est-ce que votre besoin est conforme à ce certificat et à son contenu? Et à partir de là, en échangeant, on comprendra ça. Et donc, on va vous orienter pour dire oui ou pour dire il vaut mieux pour vous un autre certificat ou etc. Et deuxième chose, ça nous permettra aussi de cibler les besoins de tout un chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'essayer d'orienter parce qu'on va transmettre cette information aux animateurs et les animateurs vont prendre en considération justement le profil et les profils que nous avons pour mieux orienter le contenu. Il est clair que le domaine est immense, il y a énormément de concepts, il y a énormément de choses. On va bien sûr orienter sur les aspects les plus importants et cette orientation va être en fonction du profil des candidats qui vont être avec nous lors du séminaire en question et donc des modules en question. Alors, je pense qu'il y avait une question dans ce sens, quels sont les prérequis, c'est ça, les qualités requises, les qualifications requises pour accéder à la formation. Alors, il n'y a pas d'exigence spécifique, c'est-à-dire soit vous avez un diplôme en gestion et en marketing, donc vous avez les prérequis en marketing pour pouvoir développer le marketing digital, soit vous avez une expérience dans le domaine. Et donc, cette expérience peut combler le diplôme.
Donc, on n'exige pas un diplôme précis, mais on demande à ce que les prérequis, c'est-à-dire vous êtes prédisposé, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir suivre la formation. Et à partir de là, donc, on va orienter les choses. Si maintenant nous avons suffisamment de candidatures, on va pouvoir créer des groupes homogènes. Et là, donc, un groupe peut-être d'étudiants ou de personnes ou de candidats qui n'ont pas énormément d'expérience pour pouvoir aller d'une manière un peu plus étape par étape que le groupe de ceux qui sont déjà engagés dans le domaine et qui demandent peut-être plus d'éléments, des éléments un peu plus performants, un peu plus évalués. Et donc, on veut dépendra bien entendu de notre de la demande existante, mais de toutes les manières, on essaiera de satisfaire les uns et les autres. Maintenant, je tiens à parler de ça parce que c'est extrêmement important. Comme tout diplôme, comme toute formation, la compétence elle ne vient pas seule. On n'assure pas que vous allez avoir telle ou telle compétence. Ce qu'on assure, c'est qu'on va mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires et les orientations et l'engagement et l'encadrement nécessaires. Par contre, la compétence, elle dépend de vous parce que c'est à vous de s'impliquer et de s'approprier ces connaissances et de les exploiter pour pouvoir passer à la pratique, pratiquer au maximum et orienter les choses dans le sens qui vous intéresse. Et avec ça, vous allez développer la compétence qui vous intéresse. Donc, je tiens à parler de ça parce que c'est un discours que je ne cesse de répéter auprès des étudiants. Une compétence, elle se développe et c'est l'implication de l'un et de l'autre qui assure cette compétence-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous par rapport à ça et vous amener justement à développer les compétences dans le marketing digital tel que vous le souhaitez. Alors, concernant, je pense qu'on a passé en revue tous les aspects. Donc, ici même, il y a des candidats qui ont déjà passé l'entretien et qui sont actuellement avec nous et qui comprennent que l'échange qu'on fait à travers cet entretien n'est pas du tout d'évaluer quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut à travers cet entretien, c'est de s'assurer de vos objectifs, de ce que vous voulez, de la cohérence et l'adéquation entre ce que vous voulez et ce qui est proposé. Et à partir de là, orienter les choses pour que ça aille dans le bon sens. Voilà, donc je pense que j'ai répondu, sauf s'il y a des choses supplémentaires, on est toujours à l'écoute. Soukaina? Alors voilà, à ce stade, on posera peut-être la question pour avoir une idée un petit peu plus générale, surtout qu'à un certain moment, vous avez parlé, Madame Bouzouba, que lors des différents entretiens oraux qu'on va passer avec des participants, donc à un certain moment, peut-être il y aura une personne qui sera plus intéressée par un autre certificat ou bien pas intéressée par les deux. Donc, si vous pouvez à ce stade-là nous donner une idée un petit peu générale des autres certificats que HEM présente. Oui, très bien. Alors, donc, voilà. Nous avons à côté du marketing digital 5 autres certificats que nous proposons en cette période, en tant que, c'est-à-dire le premier lancement. Et Inch'Allah, si tout va bien, il y en aura d'autres qui vont venir. Alors, les certificats que nous proposons actuellement sont Manager Nouvelle Génération. Donc, c'est un certificat orienté, je dirais, sur la notion, sur un certain nombre de notions, sur la notion de complexité et comment gérer la complexité dans l'entreprise, sur la notion de, justement, transformation digitale et de quelle manière la développer, sur la notion de bien-être en entreprise, sur la notion de leadership, les différents types de leadership, et comment les développer et quels sont les leaderships qui aujourd'hui fonctionnent mieux avec la nouvelle génération,
c'est-à-dire génération Y et génération Z. RH et gestion des talents, c'est un autre certificat qui est proposé et dont l'objectif, c'est bien sûr de vous donner les éléments de base par rapport à la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, avec une orientation pratique essentiellement. Donc, on traite de l'intégration, on traite de la formation, on traite de la GPEC, c'est-à-dire l'évaluation des compétences, donc on traite d'un certain nombre d'éléments dans ce sens-là. Le troisième certificat, c'est IFRS et consolidation. Et donc, c'est un certificat, bien sûr, qui aborde les normes IFRS, la notion de consolidation au niveau des normes IFRS. Donc, quel est leur esprit? Quelle similitude et différence avec les normes nationales? Et comment évaluer les choses en normes IFRS? Et comment assurer la consolidation en normes IFRS? Comment aussi évaluer et assurer l'évaluation d'une entreprise pour pouvoir communiquer autour aussi bien en comptes sociaux que comptes consolidés IFRS. L'autre certificat, c'est le certificat achat et il aborde l'aspect, je dirais, politique achat et comment cette politique doit être développée et comment l'asseoir dans l'entreprise avec tout ce qui est négociation fournisseur, comment on peut, développer justement, convaincre et traiter avec nos fournisseurs et comment négocier pour avoir la meilleure proposition de nos fournisseurs. Donc, un certain nombre de données par rapport à la politique achat. Le dernier, c'est le fintech. Et comme là, on a développé comment la technologie, les moyens, les nouvelles technologies de l'information, comment la digitalisation a ouvert et a intégré le marketing et le champ du marketing. Au niveau des fintech, on essaie de voir de quelle manière elle a intégré et le domaine de la finance. Et plus particulièrement, tout ce qui est lié aux produits bancaires et aux éléments qui sont liés, bien entendu, à tout ce qui est finance et technologie. Donc, ça s'appelle les fintech. Alors, ces différents certificats feront l'objet d'une autre réunion comme celle-là, puisque celle-là, c'est la deuxième. On a déjà organisé le mois dernier une première réunion par rapport au marketing digital. On a eu pas mal de participants. C'était très intéressant. Et donc, pour ça, on est passé à la deuxième réunion. Et donc, pour les autres, il y aura des réunions pour chacun de ces certificats-là. Et on va vous aviser, c'est-à-dire sur Internet et sur notre site, la présentation, la deuxième vague de présentation de ces certificats. Je tiens tout à l'heure, il y avait des participants qui demandaient la présentation et donc on leur a dit, Soukaina a précisé que oui, effectivement, avec plaisir, on peut partager cette présentation avec eux. Je tiens à vous dire aussi que sur le site Internet, il suffit de cliquer sur formation continue. Vous aurez tous les certificats et il faut cliquer sur le certificat qui vous intéresse, vous aurez son contenu. Donc, c'est déjà affiché sur notre site HEM. Il suffit d'écrire site HEM au niveau de votre moteur de recherche et vous aurez le site. Vous cliquez, vous aurez les champs et vous cliquez sur formation continue, vous aurez les certificats qui vous intéressent. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bouzouba. Donc, à ce stade, me présenter tout simplement, encore une fois. Donc, moi, je suis là pour vous. À toute personne qui souhaite avoir plus d'informations par rapport à ce certificat, n'hésitez surtout pas. Donc, ça, c'est mon contact. Notez-le. Prenez-le en screenshot si vous le souhaitez. Donc, je suis disponible par mail, par téléphone. Il n'y a pas de souci, même en week-end. Alors, bien évidemment, la question, et à un certain moment maintenant, on passe aux questions qui se posent le plus souvent. Donc, la première, c'est par rapport au coût. Donc,
je l'annonce à ce stade-là. Donc, le coût de la formation ou bien l'investissement comme présenté par notre chère Amira, c'est d'investir 15 000 dirhams pour cette formation de 6 mois. Donc, 15 000 dirhams, comment ça se présente? Ça se présente au niveau de, au tout début, par 2 000 dirhams de frais de dossier et par la suite de 6 500 au début de la formation et 6 500 donc après 3 mois de formation, ça veut dire au niveau de du troisième module. Donc, ça, c'est d'une part et d'une autre part par rapport aux différents entretiens oraux qu'a présenté Madame Bouzouba. Donc, je vous dis que c'est exonéré. Donc, on vous a exonéré des frais de l'entretien en cette période de confinement. C'est surtout pour donc vous encourager et c'est surtout aussi un entretien de motivation et de voir si vous êtes, bien évidemment, et on est tous les deux hein, par rapport à la formation et vos attentes. C'est un bon match, comme le présente assez souvent Madame Bouzouba, c'est surtout de s'assurer qu'on répondra à un certain moment à vos attentes. Alors, on reviendra peut-être à ce stade aux différentes questions qui étaient posées. Donc, je vais peut-être revenir à la question de Monsieur Sani Abdallah. Qui a posé la question par rapport à l'OFPPT et comment vraiment bénéficier de la prise en charge par la suite par l'OFPPT. Lui, il travaille au niveau de la banque. Donc, je peux tout simplement vous répondre, Monsieur Sani, que en fait, ça fait partie des contrats spéciaux de formation que votre entreprise ou bien votre banque assurément, parce que je suis sûre que toutes les banques ont ce contrat-là avec l'OFPPT. Il suffit, à un certain moment, si cette formation elle est déjà planifiée par votre entreprise, donc bien évidemment, le taux à chaque fois, il est plus élevé de remboursement de l'OFPPT. Si ce n'est pas planifié, c'est toujours possible de, à un certain moment, bénéficier de remboursement de l'OFPPT, mais c'est juste que le taux, il est plus bas. Donc, je vous invite de revenir vers votre responsable de formation ou bien tout simplement, généralement, c'est dans le département RH ou bien de formation, il y en a quelques banques ou bien entreprises qui l'ont. Donc, eux, ils peuvent t'aider dans ce sens-là. Et de toute manière, ce ne sera pas à toi personnellement de le faire, mais à ce département de s'en charger. Donc, ils savent le faire et ils ont déjà l'expérience et ils ont le contact avec le OFPPT. Il y a quelques délais à un certain moment. Il faut que le dossier soit déposé avant avril, le N plus 1, le N moins 1. Donc là, c'est beaucoup de règles à respecter à un certain moment pour en bénéficier. Alors, il y a aussi une autre question qui se pose assez souvent, c'est par rapport aux horaires de la formation. Donc, comme présenté par Madame Bouzouba à un certain moment, donc la formation, elle sera au niveau des week-ends, donc les samedis et dimanches. Un samedi dimanche a vraiment donné à ce certificat par mois. Donc, on a un certain moment, on le présentait pour 3 jours, mais on l'a rétréci à 2 jours comme ça. Donc, c'est accessible pour tout le monde et ça respecte bien évidemment donc le timing de tous nos professionnels, hopefully. Donc, à un certain moment, la formation, elle débute, si je me rappelle bien, à 8h30. Donc, jusqu'à 17h pour le samedi et également pour le dimanche, avec une pause, bien évidemment, de déjeuner de 2h, je suppose, ou bien 1h30. Donc, c'est ça pour surtout répondre à la question des horaires. Je céderai peut-être la parole à notre experte et aussi à Madame Bouzouba, si vous le souhaitez, donc à vous de voir qui pourra répondre à ces questions. Donc, on a la question surtout sur le marketing digital pour Yacine Bourchen. Donc, il a posé la question tout à l'heure que généralement, quand on parle du marketing digital, donc il est perçu comme de la communication, donc, ou bien il couvre surtout de la communication. Donc, et il se demande est-ce que le marketing digital. Donc, aussi couvre d'autres aspects du marketing tout court, donc général ou bien, comme il a appelé, marketing traditionnel, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il n'y a que de la communication ou bien il y a d'autres volets aussi en parallèle? Tu as parlé tout à l'heure du placing, etc.
Donc, si tu peux donner une idée un petit peu macro sur d'autres domaines que le marketing digital ou si touche surtout par rapport au marketing. Voilà. Donc, Oui, la parole alors. peut-être est à toi, Mira. Oui, je vais être bref. Merci Yacine pour la question. Elle est en effet très pertinente. Et j'ai envie de dire que cette question, elle ne se pose pas uniquement avec le marketing digital. C'est que très souvent, le terme marketing est réduit à la partie et à l'aspect communication. Donc, c'est légitime que tu puisses te poser cette question même dans le contexte du digital. Étant donné qu'on n'a pas le temps de faire toute une présentation du marketing digital ici, je pourrais rebondir et revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le certificat. Ce certificat de marketing digital ne se limite absolument pas à l'aspect ou à la dimension communication digitale, mais couvre aussi d'autres pratiques et d'autres stratégies liées au digital. On l'a vu, enfin, pas on l'a vu, mais je l'avais introduit lors de ma première présentation. Avec ce certificat, l'objectif est de voir comment le digital est décliné au niveau de la stratégie marketing, est décliné au niveau de la stratégie commerciale, au niveau de la stratégie de distribution, au niveau de la stratégie de communication, qui est en fait une dimension parmi tant d'autres. Si on veut juste faire le parallèle entre la dimension commerciale et la dimension et le digital, ben c'est toute la partie liée à l'acquisition de trafic, même si c'est de la communication, c'est une partie prospection, c'est commercial aussi. Si on parle de la conversion et de l'optimisation de la conversion, on est dans la stratégie commerciale, puisqu'on cherche à transformer un lead ou une opportunité, un visiteur en pas simplement une opportunité commerciale, mais en véritablement une opération et une vente. Donc ça, c'est la partie commerciale également. Encore une fois, quand on parle de la relation et du ICRM, qui va être une composante fondamentale de ce séminaire, on est en dehors du strict périmètre de la communication digitale pour s'étendre à la relation client, à la gestion de la relation client, ou dans sa version anglaise au ICRM. Quand on est dans la refonte ou dans l'élaboration du site web, on est en dehors du périmètre de la communication. Donc, non, tu ne resteras pas à ta faim par rapport aux autres dimensions du marketing. On va s'intéresser à l'ensemble des stratégies fonctionnelles de l'entreprise qui vont être révolutionnées, qui vont être améliorées et qui vont devenir plus efficaces avec le digital. Merci beaucoup, Amira, de ta réponse. Donc, je vais brièvement répondre à une question de Madame Nadi Khadija, donc, qui a posé la question sur le lieu de formation. Donc, Madame Bouzouba, tout à l'heure, nous a expliqué que les formations certifiantes sont présentes au niveau des différents campus de HEM, et ça dépend aussi du nombre des participants qu'on aura. Je peux vous dire que principalement pour cette période, au niveau de Casablanca, Rabat, on a assez de demandes. Donc au niveau de Tanger, peut-être, et Fès et Marrakech, donc un petit peu moins. Mais on ne peut pas savoir comment ça va se passer pour les prochains jours. Donc si on a plus de demandes, bien évidemment, on va ouvrir aussi des classes dès qu'on aura 15 inscrits, comme a précisé tout à l'heure Madame Couvert, dans Et puis, on a une autre question de Madame Damien, j'ai dit tout à l'heure, donc elle est adressée à Madame Bourbac. Donc, elle pose des questions concernant le dossier de candidature. J'ai noté que vous demandez une demande de candidature et une lettre de motivation. Pouvez-vous nous préciser quelle est la différence? Alors, il y a une question par rapport au volume horaire que nous avons déjà précisé, mais donc on répète. Alors, le volume horaire de chaque module, c'est 14 heures et ça fait donc un total de 70 heures par rapport aux 5 modules qui sont prévus. Et en plus, bien entendu, en sus, il va y avoir l'encadrement concernant le projet que vous allez mener en parallèle à la formation.
précise aussi tout à l'heure par rapport à la PPT que il est possible, dans la mesure bien entendu où, comme a dit Skrina tout à l'heure, c'est intégré dans le plan de formation de l'entreprise, vous pouvez profiter jusqu'à 75% du remboursement des frais de la formation. Et les 25% qui restent, bien entendu, ça dépend de l'entreprise. Soit c'est pris en charge par le salarié, soit il y a une formule entre vous et votre entreprise pour que les 25% soient également en partie pris en charge par l'entreprise. Donc ça, c'est, tout dépend de chaque entreprise. Il y a peut-être la question de Lamia aussi en parallèle, Madame Bouzouba. Donc, je viens de vous l'écrire au niveau du chat. Donc, elle demande la différence entre la demande de candidature et la lettre de motivation. En fait, c'est à peu près pareil. Donc, la demande de candidature, c'est juste pour dire que une demande toute simple qui précise comme quoi vous voulez vous inscrire à tel certificat. La plus formelle possible. Par contre, la demande de motivation, ça, c'est vous allez préciser justement pourquoi vous cherchez à s'inscrire à ce certificat-là et donner un peu vos raisons. Et en quoi ça va vous aider à développer votre projet professionnel et mieux asseoir vos compétences et votre, je dirais, l'évolution de votre carrière professionnelle. Qu'est-ce que ça va apporter pour vous et qu'est-ce que vous cherchez au niveau de cette formation? Voilà donc la différence entre les deux. Maintenant, si vous voulez n'envoyer que la lettre de motivation à travers laquelle vous allez exprimer votre souhait d'intégrer ce certificat, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et aussi, en parallèle, on a des fois des questions par rapport au dossier. Donc, on comprend si vous n'avez pas, vous ne retrouvez pas un document. Donc, ce n'est pas si grave. Donc, vous pouvez toujours, à un certain moment, compléter votre dossier de candidature. Donc, vous pouvez aussi donc, nous faire parvenir votre CV. Ça va énormément nous aider à avoir une idée plus claire par rapport à votre parcours professionnel. Ça aide énormément Madame Bouzouba aussi par rapport aux entretiens. Donc, je vous invite à l'envoyer aussi. Je comprends aussi quelques contraintes. Donc, on nous dit on est confiné avec les parents et j'ai laissé le dossier et nos diplômes qui sont ailleurs, une autre maison ou le Chihaja, il n'y a pas de souci. Donc, on est assez flexible dans ce sens-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes assez motivé pour ce certificat, vous pouvez vous manifester et on tâchera à être flexible dans ce sens. Et par la suite, le plus important, c'est vraiment qu'on réponde à vos attentes et qu'on voit qu'on est un bon match dans ce sens-là, que notre certificat répondra à vos besoins à un certain moment. Donc, je vous remercie énormément quand même. On a pris presque 1h30 ou bien même plus, donc 1h45 avec vous. Donc, كنتمنى نكون خفاف على قلوبكم. Ramadan Mubarak Saïd encore une fois. Mabqa walou aussi l'Aïd Sghir. Donc, d'avance, je vous souhaite Aïd Mubarak Saïd. Je remercie notre chère Amira, notre chère Madame Bouzouba. Je vous laisse aussi la parole pour parler et souhaiter peut-être bon Aïd à nos participants. En tout cas, de ma part, je vous dis au revoir et merci beaucoup de votre temps et votre intérêt. Alors, je dirais merci beaucoup pour cet échange. Il était vraiment très, très intéressant. On a eu avec Soukaina plusieurs séances. Et c'est la première où on a autant de questions et autant de questions intéressantes et de questions vraiment orientées contenu. J'espère sincèrement qu'on aura répondu à vos attentes et que vous ferez partie de nos candidats pour ces certificats-là,
pour leur donner de la valeur et vraiment l'importance qu'ils méritent et démarrer avec nous cette expérience-là. Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre implication et je vous souhaite Washam Broka et Eid Mubarak Saïd. Nous espérons, Inch'Allah, cette l'aftara tous bsoura et on se retrouve ensemble chez nous, physiquement, dans nos locaux, Inch'Allah. Mais je crois que tout a été dit par notre merveilleuse Maryam et Soukaina. Je vais juste conclure en disant merci beaucoup, beaucoup, beaucoup sincèrement aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'est difficile de voir comment le virtuel peut quand même rendre les expériences un peu tangibles. Même si je n'arrive pas à vous voir, en lisant vos questions, j'ai un avant-goût, un aperçu de qui vous êtes, de comment vous êtes. Et j'ai vraiment hâte. Il me tarde de vous voir et puis de discuter de ces sujets passionnants. Merci beaucoup, très sincèrement, de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup pour la qualité des questions qui ont été posées, pour votre écoute, pour votre patience. C'est vrai qu'on a pris plus de temps, on s'en excuse, mais c'était riche, c'était très intéressant. Quant à Ramadan, c'est un mois que j'adore beaucoup, donc même s'il me fait souffrir avec joie l'hypoglycémie, c'est avec un petit peu de nostalgie que je le verrai partir. Donc, je vous dis quand même, Brok l'Aïd, be safe, prenez soin de vous, de vos familles. Je crois que c'est essentiel pendant ces moments-là. Et puis, profitez de ce temps qui reste pour vous connecter à ce qui est de la valeur et ce qui est important pour vous. Brok l'Aïd, Inch'Allah. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.